Boy City. Hanoï hier et là je me suis rapproché d'Halong et je suis sur une petite île à côté d'Halong. Je vais rouler une vingtaine de kilomètres et après je vais voir, je vais trouver un petit hostel je pense et je verrai si je peux faire une croisière pour pas trop cher, sinon j'enverrai le drone. Normalement, il devrait me ramener de superbes images aux alentours d'ici. C'est fou, comme d'hab. J'arrête pas de dire c'est fou à chaque fois que je vois des paysages de toute façon. Mais c'est la vérité. La simple vérité. Toujours émerveillé. Toujours, tout le temps. C'est sans cesse incroyable. À l'abri, tout va bien. Je l'ai senti celle-là, je l'ai senti arriver. Ça fait 10 minutes que je suis arrêté. Je me suis dit, on va patienter un petit peu. J'ai bien fait parce que ça tombe fort là, donc j'avais pas envie de me mouiller du tout. Oh yes! Oh, de la descente! Ouh, je suis totalement trempé! Oh, j'étais pas prêt à cette pointée! Il fait tellement chaud! Mais là, ça descend! Normalement, j'en ai fini! Ça fait plus d'1 heure que je monte! J'ai dû faire 7 ou 8 km! Waouh! Il fait chaud. Je vais me rhabiller, mettre le casque et foncer, prendre la fraîcheur là. Ouh, let's go.
ça descend, ça remonte. Oh non, j'en peux plus. Bon, mais derrière moi, la frontière entre le Vietnam et le Laos, et je suis toujours du côté vietnamien. En gros, ce dont j'avais peur s'est avéré vrai, c'est qu'ils ne délivrent pas de visa à l'arrivée, alors que partout il est dit qu'ils le délivrent. Et en fait, entre la Thaïlande et le Laos, ça fonctionne, mais entre le Vietnam et le Laos, ça fonctionne pas. Donc je suis dans le caca, parce qu'il me reste que 4 jours. Donc je sais pas ce que je vais faire. Soit je vais essayer de retourner à Hanoï pour avoir mon visa, sinon je prends un bus ou un train pour descendre vers le sud et aller au Cambodge. Je vais voir, je sais pas encore. Ce sera finalement en bus et en autostop que je ferai l'aller-retour à Hanoï afin d'obtenir mon visa et d'être autorisé enfin à découvrir ce nouveau pays.